Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver après ce break de plusieurs semaines dû à des problèmes de santé en ce qui me concerne et de deuil pour Natacha. Natacha qui est à côté de moi et qui tient à vous saluer. Bonsoir à tous. Je suis très très contente de vous retrouver. Merci pour tous vos messages, pour vos attentions qui nous ont réellement touchés. Notamment Richard, comment vas-tu? Tu as des problèmes de santé? Ouais, bah comme tu le sais, Natacha, j'ai été opéré, très bien soigné ici à l'étranger, et puis ça va mieux là aujourd'hui, même si j'ai fait, je pense, un mini burn-out aussi en parallèle, et puis avec tous les antibiotiques, l'opération et tout ce qui s'en est suivi, ça a été une période extrêmement compliquée, extrêmement sensible, mais disons qu'aujourd'hui les résultats sont probants et donc maintenant l'essentiel est là, on va repartir de l'avant. Alors, on va repartir de l'avant avec beaucoup de projets en tête. Nous continuons d'avancer dans les ténèbres, mais toujours avec la lumière de l'archange Saint-Michel. Et je crois, Richard, que tu as un projet là sur le feu. Alors, j'ai effectivement plusieurs projets sur le feu là aujourd'hui. J'en ai un notamment en termes d'écriture, puisque je suis en train de finaliser l'écriture d'un livre. Voilà, j'en suis à peu près à 160 pages sur les 220 demandées par l'éditeur. Donc, je passe des journées entières de convalescence à écrire parcours de ma vie, ce qui est pas mal parce que ça permet de tout mettre à plat et de faire une véritable introspection sur soi et sur les autres également, un vrai discernement qui était pour moi nécessaire là aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier projet. Puis le second, ça sera avec l'équipe de la Minute de Ricardo, l'équipe de la Une TV, et on va essayer de se lancer dans une nouvelle aventure. Alors pour l'instant, on ménage le suspense. Natacha est bien sûr au courant parce qu'elle sera une pièce maîtresse de ce nouveau projet qui sera lancé en septembre. Et toi, Natacha, quels sont tes projets là aujourd'hui? Bah, mon projet principal, c'est de continuer d'avancer avec vous, de continuer ce parcours de vie ensemble. Et c'est ce que vous allez découvrir maintenant, bientôt, très bientôt à la rentrée, ce nouveau projet que nous allons mener tous ensemble. Vraiment. Voilà, donc c'était une courte vidéo, simplement pour vous donner des nouvelles, ce qui était pour nous à la fois nécessaire, et je crois que c'était demandé également par l'extérieur. Et donc sachez que tout va bien. On n'est pas à l'article de la mort, contrairement à ce que certains veulent bien croire. Et en tous les cas, aujourd'hui, on est de pied ferme sur ce chemin du retour, ce chemin de la vie et sur ce chemin de l'espérance, même si forcément les résultats à la présidentielle n'ont pas été à la hauteur escomptée. En tout cas, merci beaucoup. J'en profite vraiment avec Natacha également pour vous embrasser vraiment et pour vous remercier du fond du cœur, puisque vous avez été vraiment des milliers à m'envoyer et à Natacha des messages de soutien dans ces heures difficiles qu'auront été les nôtres ces derniers temps. En tout cas, sachez qu'on vous porte dans notre cœur, qu'on vous aime beaucoup et que sans vous, eh bien, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.